tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les causettes de Juliette. Et aujourd'hui, je suis au... Alors aujourd'hui, je suis au Resto du Rire, au Théâtre de Mons. Et je suis juste derrière la scène, donc on va aller vous la montrer. Ils vont bientôt ouvrir au public, du coup on va un petit peu se dépêcher. Regardez comme c'est super beau. C'est juste incroyable. C'est vraiment royal pour le coup, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment trop trop chouette. Bonjour. Ça va papa? Mais ça va, oui toi? Ça va, t'es beau. Oh, je suis magnifique. Ouh là là, on va se régaler. Les amis, ça commence tout doucement à se remplir. Je parle pas trop fort parce qu'ils sont tous là et c'est trop génial. Je croise plein de gens et on va aussi en profiter pour distribuer quelques petites cartes de visite, les causettes de Juliette, pour vous préparer des interviews de malades. Ok les amis, le spectacle n'a pas encore commencé, mais on préfère déjà se mettre en costume, comme ça après on est un peu tranquille, on peut aller voir les personnes, etc. Et donc voilà. Donc ça, ce sont nos petites de cadence. Les filles, elles sont terribles. Ça, c'est Madame Kate. Voilà. Elle est en train de dire que je suis moche. Est-ce que je suis moche? T'es différent. Parce que sinon, je vais pleurer. Ne t'inquiète pas, tu vas peut-être tu seras là à chaque fois avec nous, en fait. Moi, je suis derrière. Peut-être tu peux m'aider à mettre les chaînes. S'il y a un souci, je peux être à côté de toi et t'aider à l'enlever. T'es canon, moi, c'est beau. Bah, qu'elle est canon, comme d'habitude. Évidemment. Vous voulez voir un canon? Regardez-lui. Vous voulez voir un décanon? Vous me regardez. Oh non, non, quand même pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je disais que si vous voulez voir des pas canons, ben c'était nous quoi, des pas canons du tout, ouais, un petit peu. Allez, merde. Ça va commencer les amis, ils sont en train de se concentrer, donc on va aller les voir, c'est parti. On y va. Ils juste à côté et ils vont monter sur scène dans un instant et c'est un peu drôle parce qu'ils sont complètement à la bourre, du coup ils peuvent appuyer ce mec en même temps et répète, c'est super drôle. Regardez tout de suite. Oh là là, je comprends, vous connaissez, blablabla. Les amis, le spectacle a déjà commencé, mais c'est la course partout derrière les coulisses parce qu'ils doivent changer les micros à l'un et puis changer l'autre micro à l'autre. C'est incroyable, il y a tout le monde qui court partout. On voit tout le monde se préparer en coulisses et c'est ça que j'adore. Je trouve ça trop drôle. Les amis, je suis dans le backstage. Dans les coulisses, on peut voir par écran tout ce qui se passe sur la scène, etc. Mais on peut voir en vrai ce qui se passe là, justement, dans une toute petite porte que les techniciens pour pouvoir voir, pour que les artistes puissent voir un petit peu ce qui se passe. Je sors de la régie caméra. C'est juste passionnant parce qu'en fait, il y a tellement de caméras pour en fait un seul chef d'orchestre. En fait, c'est une personne qui va regarder plein de caméras différentes et la personne va vraiment réfléchir à quel moment il faut mettre. Il faut regarder tout en même temps, il faut réfléchir. Donc j'essaierai de faire une petite interview rien pour vous. Ok les amis, du coup là on est à l'entracte et à mon avis ça va bientôt recommencer parce que le public commence à revenir. Mais du coup c'est vraiment trop trop chouette et nous il y a deux personnes avant nous et puis c'est à nous. Merci à tous d'avoir regardé ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Alors il a été un petit peu court, je suis désolée, mais c'est parce que en deuxième partie on jouait. Du coup c'est vrai qu'on a voulu un petit peu se concentrer et donc on a un petit peu moins filmé, etc. Mais j'espère qu'il vous aura quand même plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle trop trop chouette causette. En tout cas, on a offert 5 000 repas tous ensemble. Alors, on peut être très très fiers de nous. Gros bisous !